Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous m'entendez? Les gars, est-ce que vous m'entendez? Bon, si vous m'entendez pas, on va se voir ce soir. Rendez-vous ce soir. J'aurai un spécial live ce soir. Ce soir, nous allons célébrer les Camerounais qui sont en train de s'inscrire massivement sur les listes électorales. Et je suis toujours en train de travailler sur mon compte YouTube. Et ça, dans l'humaniste. J'ai un autre compte que je ne peux pas encore utiliser. Mais ce soir, je crois que je vais commencer. Je vais commencer avec ce nouveau compte-là. Et pour le moment, il y a quelqu'un qui publie mes vidéos sur YouTube. Comment vous faites, les gars? Je vois mes vidéos partout, sans ma permission. je n'ai pas de problème, mais faites-moi quand même signe. Dites-moi quand même qu'un instant, on va publier tes vidéos. Je vois mes vidéos là dehors. Hein? Il y a quelqu'un qui est là concentré. Je parle, il ramasse, je parle, il ramasse. Et après, boum, c'est publié. Je dis, waouh! N'est-ce pas, l'humaniste a été désactivé, suspendu de YouTube. À cause de certains mécréants. Et donc, je suis en train de prendre mon temps pour vraiment faire une investigation profonde. Et donc, entre-temps, j'ai créé un autre compte YouTube. J'ai un autre compte YouTube que je vais éventuellement commencer à utiliser ce soir ou demain. OK? Mais pour tout de suite, je viens juste vous annoncer que nous aurons vraiment un très grand spécial ce soir. Et nous allons vraiment penser à nos compatriotes. Nous allons penser à nos compatriotes qui sont en train de s'inscrire. Nous allons les saluer, nous allons les encourager. Parce qu'il faut être capable de célébrer ce qui est bien. Parce que quand ça fait mal, on pleure. Donc quand c'est bien, il faut célébrer. Donc mon live de ce soir sera ça. Et je vais aussi parler... Je veux aussi parler de l'esprit du changement. L'esprit du changement qui irrite les démons de certaines personnes qui se disent de l'opposition. Je veux parler de ça. Et mon intention en parlant de ça, ce n'est pas pour décourager qui que ce soit, c'est simplement pour que nous puissions rester en ligne. Rester en ligne avec nos valeurs et aspirations. L'aspiration ici, c'est le changement. Nous voulons un nouveau Cameroun. Nous voulons un Cameroun qui sera le meilleur espoir terrestre. Nous voulons un Cameroun qui va accepter tout le monde. Tous ceux qui vont rester, respecter les lois. OK? Donc nous allons continuer avec le processus. Il y aura toujours des démons qui viendront la nuit. Qui viendront dire pourquoi vous vous inscrivez? Pourquoi vous allez aux élections? Oui, c'est normal. Un chemin sans embûche n'amène nulle part. Donc, attendons-nous à ça et nous allons gérer tout ça. Nous allons parler de ça. Donc, c'est pourquoi je dis que l'esprit du changement irrite les démons de certaines personnes. Ça, c'est un thème que nous allons embrasser. Et voilà, et la ligne sera ouverte et nous aurons du bon temps. Je crois que je vais sortir vers minuit, 23h minuit, comme d'habitude. Hein? Et nous aurons un bon rallye, hein, une très belle causerie. Et nous allons aussi parler de la nécessité de développer cette expertise, c'est-à-dire se connaître soi-même. Nous allons beaucoup parler de ça. C'est important de se maîtriser, parce que ça, c'est le moment. Nous sommes en train de traverser sur le plan national, des moments de test de caractère. Ah oui, aujourd'hui, la problématique est claire. La problématique de conviction. Qui veut vraiment le changement? Qui croit qu'il faut améliorer la condition actuelle?
qui croit qu'il faut améliorer la température actuelle? C'est la question centrale. Nous allons explorer tout ça. Il y a des gens qui vont sortir dire qu'il faut décoloniser le mental. Oui, c'est une bonne chose. Mais qui a la responsabilité de décoloniser ton mental? C'est bien toi. C'est bien toi. Vous comprenez? Donc, nous avons des responsabilités individuelles ici. Nous avons des responsabilités communautaires. Et il faut que nous puissions prendre des distances du civisme moutonnier. Nous sommes dans ce changement parce que nous croyons en nous, nous croyons en notre pays, et point final, il ne s'agit pas des autres. Parce que c'est facile de toujours mettre le nom de Maurice Kamto devant. Le nom de Maurice Kamto est devant parce qu'il a travaillé sur sa personne, et l'énergie qu'il dégage attire des gens qui sont honnêtes, attire des gens qui sont intègres, attire des gens qui ont de l'amour pour eux, attire des gens qui comprennent que c'est possible d'améliorer la température actuelle de notre pays. Voilà la raison. C'est pas le tribalisme, c'est pas le clanisme, c'est une question d'énergie. C'est une question d'énergie. Il a planté dans son subconscient des valeurs qui le disposent à améliorer tout ce qu'il touche, à être responsable, parce que participer au processus d'amélioration des conditions de sa personne et des conditions de sa communauté ou alors de son pays est une responsabilité d'abord intrinsèque. Et après, les responsables se mettent ensemble. Nous allons parler de ça. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai souvent dit, il y a ce qu'on appelle l'effet de l'action. Tu peux taper sur quelqu'un tous les jours. À un certain moment donné, l'effet de cette action de taper, c'est par exemple ta main se fatigue et tu ne tapes plus. Peut-être que le corps de la personne commence à se décomposer et tu ne tapes plus. Peut-être que les autres vont crier sur toi et tu ne tapes plus. Il y a l'effet de l'action qui peut réduire la personne qui est en train de poser l'acte. Et puis rien n'est éternel. Donc, je suis vraiment fier de voir comment les Camerounais du Nord, au Sud, de l'Est à l'Ouest sont en train de sortir pour aller s'inscrire et que les véritables démons se sentent irrités. Et ils commencent à questionner le processus électoral. Ils commencent à questionner le premier pilier du processus électoral, qui est l'inscription, n'est-ce pas? L'inscription sur les listes. Les gens vont s'inscrire et les démons, et ça hérite les démons, ceux qui sont confortables de voir des Camerounais en train de s'entretuer, de voir des Camerounais en train de souffrir. Ils vont dire, ça ne sert à rien, n'allez pas vous inscrire. Les gars, nous allons nous faire ça dur, je vous ai dit, que pendant les élections, nous allons utiliser même des mots que nous n'utilisons pas souvent. Parce que parfois, il faut dire des vérités. Cru, c'est les démons. L'esprit du changement, Eric, c'est un démon. Et ça se manifeste par cette envie, n'est-ce pas? Cette soif de décourager les autres, d'empêcher aux autres d'aller s'inscrire. Vous comprenez, les gars? Effectivement, Fantôme Tazan, les opposants de l'opposition. Donc, mesdames et messieurs, prions, n'est-ce pas? Rendez-vous ce soir à 23h01 temps de New York, Eastern Standard Time. À tout à l'heure.